Après le premier Villain House, quel méchant sommeille en vous? Et puis les extensions, dont Mauvais jusqu'à l'os. La fin est proche. Musclé, monstrueusement malsain. Cruellement infect. Voici plus grand, plus méchant. Grrr. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on a tourné la dernière fois, donc avec l'extension Gaston, quand j'ai fait le montage, j'ai regardé et j'ai vu, oh il y en a un nouveau qui arrive. Et ben voilà. Alors le premier truc qu'on peut noter, c'est que la couleur et ben c'est un peu triste parce que comme on vous l'a déjà dit, les deux extensions juste avant, en fait, c'est bah, de là. On est dans le même ton de couleur. On est dans le même ton de couleur alors que le Cruella, vous le verrez pas, sauf si tu voilà un peu derrière toi. Bon, le là, Cruella est rouge. Il y a la lumière dessus. Le Cruella est rouge et là vous pouvez voir le. La méchante reine est violée. C'est pas la maléfique. Donc, et voilà, c'est juste que c'est dommage parce qu'on reste dans les mêmes tons. Après, oui, ça va avec la couleur à peu près. Et encore, même, j'aurais mis un espèce de rouge un peu bordeaux pour représenter Gaston. Je sais pas toi. Mais après, ça aurait rappelé le rouge de Cruella. Ah, peut-être. Mais peut-être un peu plus bordeaux. Mais ouais, tu vois, je vois pas pourquoi, genre Cruella, ils l'ont fait rouge en fait. Moi, je l'aurais limite divisé en deux. Ah, ouais, ça aurait donné un truc trop beau en plus. Ou un truc tacheté de dalmatien. Ouais, mais c'est vrai. Noir et blanc, quoi, tu vois. Et la deuxième chose qui est un peu décevante, c'est que ce personnage, moi, c'est un de ceux qui m'intéresse le moins. Enfin, bah, c'est Syndrome. C'est pas un méchant. Les Indestructibles, il est bien. Mais Syndrome, je sais pas, je le voyais pas en première de couverture. Après, je crois que c'est le premier méchant de Pixar, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis en avant. Et est-ce que c'est le seul où ils ont fait hein? Oh, regarde, c'est. Ah non, est-ce qu'ils l'ont fait là? Non, tu sais, un vernis sélectif, ils l'ont fait sur. Ah oui. C'est très joli ça, vous le verrez peut-être pas, mais ouais. Ah, vous voyez, ça brille. Ils ont fait un vernis sélectif sur le masque et sur le gant, c'est super. Mais ils l'ont fait aussi sur la méchante reine, qui est pourtant le deuxième sur la, pomme. La pomme. Voilà. Et c'est joli de faire ça. Mais ils l'ont pas fait sur Maléfique et sur Cruella. C'est dommage pour le coup. Regarde, excusez-moi. Non. Et sinon, pour le côté assez marrant, c'est qu'il est. Il a été. Enfin. Au moment où on tourne cette vidéo, il est presque introuvable. Il est en rupture pratiquement partout. Et on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont. Pas alors, assez prévu ont... d'unité. Voilà, ils ont peut-être pas fait un stock immense et du coup c'est parti très vite. Bah écoutez, en tout cas on va le découvrir avec vous parce que les trois méchants de cette extension sont Syndrome, Madame Mime et Lotso. Alors franchement, je l'ai acheté parce que j'adore cette collection, mais il n'y aurait pas eu Madame Mime, ça m'aurait vraiment embêté parce que Madame. Les Syndrome et Lotso, oh, je suis désolé, mais je pense que c'est clairement une boîte qu'ils ont sortie pour mettre en avant des personnages de Pixar. Par rapport à Lotso. Mais là, du coup, il n'y a que. Oui, c'est ça, il n'y a que les deux en Pixar. Ça aurait pas été trop beau qu'il y ait justement Lotso et que la boîte elle soit rose. Ouais. Ça aurait été trop cool. Donc voilà, on l'ouvre vraiment avec vous. Hein. Donc on va découvrir quel est le but de ces personnages. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Villain House, vous contrôlez un méchant. On a fait des vidéos dessus, hein, vous pourrez aller les voir sur toutes. Hein. Vous contrôlez un méchant. Et ce que vous pouvez faire, c'est pas du tout vous occuper des autres et vous occuper que de vous-même, etc. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez faire votre truc. Par contre, c'est triste. Le truc rigolo dans ce jeu, c'est qu'il faut être méchant et qu'il faut mettre des bâtons dans les roues aux autres. C'est ça. Voilà, le but, c'est de faire ta quête, ta propre quête personnelle. Mais il faut ralentir les autres. Il faut ralentir les autres. Parce que le but, c'est de finir sa mission en premier. En sachant que maintenant, il y en a beaucoup. Parce que dans le premier, il y en avait 5. Et dans tous les autres, il y en a 3 en plus, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Avec celui-là, vous avez 17 méchants. C'est genre un truc de fou. Et ce qui est très significatif et génial dans les Villain House, c'est les figurines des méchants. Ouais. À chaque fois, on se dit comment est-ce qu'elles vont être. Et le peu, je les ai pas vues en vrai, mais quand on les voit derrière, moi je trouve qu'elles sont pas. Elles ont pas l'air très chouettes. Ben ouais, alors que les autres, ils réussissent à nous faire deviner les personnages par quelque chose. Là. Je me rappelle qu'il y en avait 2-3 qu'on n'avait pas trop aimé dans les. Non, on avait fait un truc. Alors ben, on va commencer par ça. Hein. Lotso. Oh, ça va, je m'attendais à pire, mais ça... on dirait du coup. C'est une bonne idée, regarde, ils ont vraiment fait les grains de fraises. Je sais pas si sur le personnage en lui-même, au départ, il a ça. On fera des gros plans. Enfin, vous le verrez peut-être mieux après, mais voilà, ouais, ça va. Mais c'est juste sa tête, quoi. On va pas dire qu'il y a un gros effort au niveau de la recherche pour faire penser au personnage. Ensuite, nous avons Syndrome. Donc, pareil, c'est un robot avec. Une cape et des cheveux. Et les cheveux, donc pareil, pas. Je pense pas que ça va être la boîte où les pions seront les plus notables. Surtout quand on voit Cruella, justement, dont le pion est partagé en deux.
Et Madame Mime. Donc ouais, c'est... Je sais pas trop, je l'aurais pas trouvé comme ça, Madame Mime. Moi non plus, j'aurais trouvé d'autres idées, sans compter que c'est une sorcière, quoi. Donc ils auraient pu faire un rapport avec quand elle se transforme en bombasse, là. Ouais, parce que là, ouais, franchement, ça va pas être la boîte où je préfère, ouais. Ou en dragon, ça aurait rappelé Maléfique, mais comment... Alors forcément, il y a de l'ouverture à faire. Donc, Mulan, viens nous aider. Excusez-moi. Pourquoi j'ai pas prévu d'outils avant? J'avais un couteau. Ah, ça y est. J'ai un truc. Alors, comme ça, on va découvrir ensemble quel est le but de chacun. Il faudra un jour qu'on y joue aussi à ce jeu. Ouais, c'est pas mal. Enfin, moi, j'y ai joué, mais jamais avec Princesse et qu'une seule fois. Alors que c'est clairement un genre de jeu qui a des possibilités immenses. Ouais, parce que j'aimerais trop y jouer, moi. Il y a une façon de jouer différente par personnage. Donc, c'est juste génial. Donc, le but de Syndrome, c'est... Vous devez éliminer l'omnidroïde et n'avoir aucun héros dans votre royaume. On ne peut compter sur personne, en particulier les héros. Donc en gros, c'est un personnage... Bah, l'omnidroïde, c'est pas ce qu'il crée. Ouais, mais il se retourne contre lui, je crois. Boule, là. Et donc je vous montre rapidement, voilà l'intérieur de son plateau. On vous montrera les cartes en gros plan, mais pas ceux-là. Donc il a la maison d'Épars, il s'appelle l'Épars, d'accord. L'île de Nomanisan, la base de Syndrome et Métroville. Donc en gros son but à lui c'est, à la fin de son tour il faut qu'il n'y ait aucun héros, donc quelque chose d'assez simple, mais il faut éliminer l'omnidroïde. Donc on va voir s'il y a, parce que souvent il y a des petits accessoires et ça a l'air d'être le cas. Ce personnage a donc des accessoires, est-ce que c'est tout à lui ou pas? Ah non, là c'est les... Non, mais non, ça n'a pas l'air. Les fiches de perso. Ouais, c'est pour se rappeler de... Quels sont... Ouais, donc c'est tout. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lui? Ah oui, il y a une carte omnidroïde. C'est parti. Omnidroïde, est-ce qu'il y en a... Ah, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Donc il y a... Il n'y en a pas trois. Ah si, il y en a trois, bah, dis donc. Donc il y a l'omnidroïde V9, V8 et V10. D'accord. Donc à mon avis, on va pas aller lire exactement comment ça marche, mais à mon avis, il faut d'abord fabriquer l'omnidroïde, donc version 8, la transformer en version 9, puis en version 10, et il faut qu'on les détruit pour que Syndrome gagne. Vous devez défausser trois modifications majeures pour que l'omnidroïde V10... d'accord, donc... Là, on peut pas s'en jouer sans avoir le personnage en main, savoir exactement. En tout cas, on a compris son principe. On ouvre les cartes perso par perso ou on les ouvre toutes à la fin? Comme tu veux. Non, on veut d'abord tous les persos. Tous les objectifs des persos. Donc c'est parti. Ensuite, nous avons... Madame Mime. Alors, son objectif, vous devez éliminer toutes les métamorphoses de Merlin. Ça va avec le personnage, c'est parfait. Et sa phrase? Vous voulez vous battre? Vous voulez vous battre en duel de sorcellerie? Ouais, oh là là, c'est trop bien. Et elle a donc accès à la forêt, la cabane de Madame Mime, le lieu du duel et le marais. Donc ouais, parce que Madame Mime, on la voit pas beaucoup, en fait, dans le film de Merlin. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai méchant? On ne sait pas, hein, vraiment. C'est le méchant du film. C'est une méchante, mais oui, c'est pas... Le plus gros problème, c'est vraiment... Non, mais sinon, le graphisme, c'est super joli. Et elle doit éliminer toutes les métamorphoses de Merlin. Donc je suppose qu'il faut qu'elle aille chercher dans sa pioche les métamorphoses et trouver à chaque fois l'animal qui peut le battre. Donc je pense que ça peut être super cool. Et enfin, l'autre saut. Vous devez réunir 4 héros de force 0 et Buzz l'éclair dans la salle des chenilles. Ouais, donc en gros, il faut qu'il ait... parce que dans son film, c'est vraiment... Il faut qu'il décourage tous. Donc en fait, là, il faut qu'il ait découragé plein de héros et les emmener dans la salle des chenilles, là où il y a tous les gosses fous, voilà. Tu n'es qu'un morceau de plastique, juste bon à jeter à la poubelle. Et il a accès à la salle des chenilles, forcément, la bibliothèque, la cour de récréation et la décharge municipale. Donc il n'y a rien de... Ouais. L'autre chose, c'est un personnage que j'aime bien, mais j'adore Toy Story 3, surtout pour sa morale, pas trop pour l'autre saut, j'avoue. Hein, c'est pas... Après, voilà. Si on me dit que l'autre saut était un personnage... Et Buzz l'éclair doit être dans la salle des chenilles, pardon. Ouais. Si on dit que Lotso est un gros gros méchant, je veux dire, on remarque tout de suite que c'est lui qui va être méchant. Mm. Et donc on a une carte spéciale pour lui. Donc il y a Buzz l'éclair, donc il y a une carte Buzz l'éclair, et les héros qui ne se trouvent pas sur lieu peuvent être la cible. Donc voilà, en gros c'est un truc normal. Par contre, de l'autre côté, vous avez Buzz l'éclair en mode démo, donc qui est du côté... Ouais. Qui est de côté de l'autre saut. Mmh. Donc le fameux moment où... D'accord. Donc voilà, pour l'instant c'est... Et Madame Mime, moi, il n'y a pas de petite carte alors? Non, 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 parce que c'est un perso qui n'a pas besoin d'un truc supplémentaire. Mmh. Par contre, t'as vu, il y a des jetons moins. Je ne sais pas s'ils existaient avant. Et c'est, je pense que c'est pour l'autre saut, pour qu'il baisse la force de ses adversaires. Peut-être.
Donc on va regarder les cartes de plus près et après vous allez les voir voilà, en gros Merlin plan. Merlin en tortue. Voilà, donc attention pour vous, on pourra pas. Oh bah si, on peut le faire, hein, remarque. Hein. Alors attendez, on se retrouve tout de suite. C'est parti. Donc on va vous les montrer. Donc on va pas lire toutes les cartes une par une, mais c'est surtout pour voir s'il y a des belles illustrations. Je commence, Marie Poppins, j'allais dire. Marie Poppins, tout même méchant. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien, je suis désolé. Hein. Alors, vous avez Woody, le mode espagnol. Il est trop bien. C'est sympa, donc il y en a plusieurs de chaque. Attendez, j'essaie d'éviter les reflets, excusez-moi. Donc voilà, donc là, c'est bah, tous les gentils. En fait, voilà, Mélaillon, les jouets, le grappin, Andy nous cherche. Donc voilà, c'est des trucs qui vont nous aider. Et là, du coup, il y a toutes les cartes. Oh, c'est du premier film. Ah ouais? Ah non, c'est Big Baby, je suis con. Ah ouais, non, c'est pas la tête du premier. J'ai cru que c'était, mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il avait Donc voilà, Twitch, on a les noms des personnages, et là, voilà, c'est tous les alliés, et donc il y a des alliés, et il y a aussi des cartes qui nous aident. Cette carte est jouable, blablabla. Oh mon Dieu, pas l'âge minimum, déplacer un héros, ou la tuile buzz éclair à la salle des chenilles, donc voilà, encore un personnage. Ah, le mode d'Espagne, attends, ajouter un jeton force moins un à tous les héros, donc voilà, tu vois. Ouais, d'accord. Lui, en fait, son but, c'est vraiment de mettre des héros pour leur faire baisser leur capacité, leur puissance. Chapeau de Woody, la force de tous les héros à l'exemple de Woody est réduite de 1. Non, vraiment, je pense pas que ce soit un perso difficile à jouer, pour le coup. Il me fait pas trop... Après, il m'inspire pas, il me donne pas énormément envie de le jouer, parce que voilà, je suis pas... Ouais, bah déjà, on n'est pas très attiré du personnage. Donc... Alors, je vais te laisser montrer... Non, on avait gardé Madame Mime pour la fin. Non, ouais. On a fait... Je sais plus. Oui, t'as raison, on voilà, a fait lui d'abord après. Bah, au Radon Syndrome. Voilà, mais ouais, c'est sûr que ces trois jetons-là, ça va clairement pas être dans mes préférés, surtout quand on a vu tous les autres... Je crois que dans le Villainous de Gaston, bah par exemple, tu vois, on voit la tête du Seigneur des Ténèbres, mais je sais pas, c'est cohérent avec le personnage. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, monsieur indestructible. Forcément, il va y avoir toute la famille. Violette, Flèche, tu vois, et bébé Jack Jack. Voilà. Ah oui, forcément, Frozone. Alors, ça, ah, c'est un truc de dingue. Le petit garçon qui est sur le vélo, là. Ouais, qui ouais, le ouais. Voit faire, c'est marrant qu'ils prennent un personnage ouais. Vraiment. Donc, oui, ça, c'est toutes les cartes de gentil, entre guillemets, pour ouais, l'embêter. Voilà. Ah, ouais, ça, c'est les pouvoirs les des personnages. Pouvoirs des intrusion, ah, ça, c'est quand il doit s'introduire. Travail d'équipe, bon, ça, c'est du gentil. Voilà, bah, forcément, pas de cap. Et là, il y a tous ses alliés. Ouais. Ah, oui, Mirage. Ouais. Je l'aimais bien, elle. Bon voilà, il y a plein de gardes au pif, du coup, parce qu'il n'a pas énormément de sécurité. Ouais, il a, à part Mirage... Bah ouais, c'est ça. Il a pas grand monde, en fait. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres méchants. Ils auraient pu mettre le méchant de Mille et Une Pattes, ça aurait pu être trop cool. Le méchant de Mille et Une Pattes? Ouais, j'ai oublié comment il s'appelle. La sauterelle. J'ai totalement oublié, là. Le Borgne, il l'appelle. Le Borgne, oui. Mais est-ce qu'il a un autre nom? Je sais pas, je pense pas. Donc vous voyez, il n'y a rien de... Ouais. Il y a lui, petit... Et Ouais, lui j'ai un peu peur, même de sa... Déjà, je suis pas très fan du personnage, mais j'aurais peur de sa façon de jouer, en fait. Le côté où il faut créer quelque chose qu'après il doit détruire, je sais pas, ça... Et enfin... Madame Mime. Donc là, tous les alliés vont être des Merlin, forcément. Et oui, là, il n'y a pas 36 000 personnages, en fait. Ouais, et en plus, ça va avec son truc. Donc, Merlin Tortue... Merlin Lapin, tu vois, Merlin Lapin ne peut être éliminé que par Mime Renard. Mmh. Donc il y a tout un côté où Merlin Chenille, Mime Poule, Merlin Morse, excusez-moi si ça brille, voilà, je sais tout. Merlin Souris, Merlin Crabe, Merlin Chèvre. Donc en gros, il y a Merlin seul. Aussi, donc je sais pas s'il faut, mais en tout cas, elle doit éliminer tout ça quand même, hein. C'est quand même pas mal. Donc ça, c'est des trucs. Et il n'y a pas Merlin Microbe à la fin? Il y a Merlin tout court. Prenez une carte. Il y a Merlin Microbe, du coup, qui l'a contaminé. C'est vrai. Bon, on va voir si. Je pense qu'il va y être. Le savoir conduit à la puissance. Donc, ça, c'est que des aides. Déplacer une carte métamorphose de Merlin dans n'importe quel lieu. D'accord. Donc, ça, on peut. En gros, tes ennemis peuvent déplacer des transformations pour t'embêter. Archimède est très puissant aussi. Oh, il est trop mignon, Arthur Oiseau. Désolé, je suis désolé, je sais pas. Ah. Merlin Microbe. Bah, voilà. Défausser une carte métamorphose de Madame Mime. Donc, ouais. Il y en a qu'une. Hein. Oui. Ça veut dire qu'elle est très très puissante, celle-là. Là, c'est tout ce qui peut aider Madame Mime. Non, pas de tricherie, donc on va pas tout lire, hein, ça va être trop long. Mais bon. Oh, j'aime le sport, que le meilleur gagne. Cette carte est jouée pendant un tour d'adversaire. Si elle effectue un rien, choisissez une carte dans votre défausse et ajoutez. Oh, ça veut dire que si jamais Merlin Microbe détruit n'importe quelle transformation,
avec J'aime le sport, et ben elle va chercher une ancienne carte pour pouvoir la rééliminer. Enfin, tu vois, si jamais ça la ralentit, mais il y a toujours un moyen de revenir. Mime Crocodile, lorsqu'une action élimine un héros, Mime Crocodile ne peut éliminer que Manin Tortue. Bon, on va pas dire les. Ah voilà, donc Mime Crocodile. Bah voilà, là c'est tous les mimes qui peuvent éliminer les. Les Merlins qu'on a vus. En fonction de. Mime Renard, ouais. Mime Poule, ils les ont redessinés, c'est trop cool. Ouais. Mime Éléphant, Mime Tigre. Mime serpent à sonnette, mime rhinocéros, mime dragon. Oh, elle est trop... Pas de dragon. Elle est trop classe. Lors d'une action éliminer un héros, mime dragon ne peut éliminer que Merlin chèvre, d'accord. Bataille d'esprit, piocher 4 cartes. Donc ça, voilà, ça lui permet d'aller piocher dans sa pioche, tout simplement. Duel de sorcellerie. Piocher une carte métamorphose de Merlin et jouer-la sur le lieu du crime. Non, sur le lieu du duel. J'établis les règles, les mini-cartes. Non, franchement, Madame Mime, elle m'inspire vraiment. Ouais. Énorme à l'infini, cette carte est jouable durant le tour d'un adversaire qui gagne 2 jetons de pouvoir ou plus. Donc, et il y a voilà, canon ouais. Ou pas? Même pas. Magnifique, merveilleuse, bah non, il n'y a même pas Madame Mime en canon. Mon seul regret ouais. De cette extension, enfin pas de cette extension, mais de Madame Mime. En tout cas, voilà, vous voyez, si vous voulez vraiment jouer à Villainous, vous avez vraiment le choix. Tu penses qu'il faut quand même, quand on joue ce genre de jeu, il faut genre commencer quand même par le maléfique, le premier. Et ben en fait. Ou alors tu peux te faire une extension. Il faudrait trop, je pense, ça doit exister sur internet, quelqu'un qui a fait un classement des héros les plus faciles à jouer, tu vois. Parce qu'on m'a dit par exemple que le plus facile à jouer c'était le prince Jean dans le premier jeu. Ah. Parce que le prince Jean, son but est assez simple, c'est d'avoir un nombre de pièces. Mmh. Donc ça reste relativement simple. Et donc du coup, oui, dites-nous bien ce que vous en avez pensé. Moi, Madame Mime vraiment m'intéresse beaucoup. Mmh. Après, pareil, c'est le genre de jeu où il faudrait... là, par exemple, si jamais je le sors un jour, ça va être compliqué parce que est-ce que les gens vont vouloir qu'on leur explique, tu sais, le fonctionnement de chacun des personnages ou est-ce qu'ils vont juste prendre leur personnage préféré? Bah, c'est ça. C'est ça, le truc. Oui, c'est sûr que... Non, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que, par contre, comme c'est des extensions, mais par exemple, tu peux jouer à celui-là tout seul. Ouais. On peut jouer à 3 et tu chacun joue... tout seul. Non, mais pas tout seul. Ah. Je veux dire, tu as juste cette boîte. Oui. Voilà. Et c'est ça qui est bien, au final. Comme ça, si jamais il y a un personnage qui t'intéresse plus qu'un autre... mais après, oui, c'est le genre de jeu où je vous conseillerais, on en a déjà parlé... Mais il faut jouer au moins à 3, parce que si vous êtes qu'à 2, t'as juste à embêter ton voisin d'en face. Bah oui. Donc c'est beaucoup plus facile. Enfin, il n'y a pas grand intérêt. Bah, en fait. Tu surveilles pas qui c'est qui avance, ouais. C'est possible. Ouais. Hein. Mais et après, donc c'est minimum à 3 et maximum à 4, parce que c'est un jeu qui est relativement long. Plus vous êtes, parce qu'on peut y jouer à nombreux. Hein. Bon, celui-là, ça va être écrit qu'on peut y jouer à partir de 3, parce qu'il y a que 3 joueurs. Mais je crois qu'on peut y jouer à. Je crois qu'on peut y jouer à genre à énormément, quoi. Mais vraiment, à 4, c'est le grand maximum parce que ça risque d'être un peu long. Après, forcément, si tu connais ton personnage, ça sera plus fluide. Mmh. Je sais que ma sœur avait joué Ursula et le personnage avait l'air super, mais on a compris comment marchait le personnage en même temps qu'on jouait. Ouais. Du coup, on était un peu, mais attends. Ah, mais oui, mais c'est comme ça. Et c'est triste, quoi. Mmh. Donc, il faut bien... Mais on verra un jour si on peut... Si on mais peut je crois faire. Que j'ai un peu mal rangé. Non. Ah non, c'est pas grave, c'est juste que la boîte veut mal se fermer, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais... Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi nos précédents. Dites-nous votre personnage préféré que vous avez vu dedans. Ah, moi, c'est sûr que c'est Madame Mime. Ah, là-dedans? Oui. Ah ouais, c'est sûr. Dans l'ordre, ça serait Madame... J'ai moins d'affinité avec les deux. Dans l'ordre, ça serait Madame Mime, Lotso et Syndrome à la fin, parce que Syndrome... Et en plus, ce qui m'embête... Mais j'ai jamais aimé, moi, en fait, ce qui m'embête, dans le film, ce personnage. Et ce qui m'embête, c'est qu'ils l'ont mis en première page, quoi. Ouais. Même Lotso ou Madame Mime, encore mieux. Ça en aurait jeté, quoi. Mm. Mais... et pareil, au niveau des jetons, non, c'est vraiment pas... Non. Non, ils auraient pu faire mieux, pour le coup. Donc là, vous voyez, on a mis toutes les boîtes. On était curieux. Et du coup, on va essayer de regarder. Mais ouais, clairement, regarde. Même ceux-là, là, ceux de cette boîte, ils étaient tous en longueur. Regardez, on va pas les ouvrir. Mais regardez, il y avait vraiment un côté sympathique. Ici, même Ratigan, Yzma et Scar, du coup, il ressemble à Syndrome. Ouais. Alors c'est un peu dommage. On avait bugué sur Gaston, je m'en rappelle.
Ou même Lady Tremaine n'était pas très... Bah Lady Tremaine, il ressemble à des fesses, hein. Ouais. Clairement, il ressemble à des fesses. Le Seigneur des Ténèbres, bon, on voit sa tête, mais il y a le chaudron, donc ça fait le côté fumé. Gaston, c'est juste un torse, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pareil, un patibulaire, c'était pas GG, je crois. C'était simple, ouais. Mais ouais. Ce qui est marrant avec lui, c'est que tous ses plateaux sont en noir et blanc. Et ouais, Lady Tremaine, c'est pareil, j'aurais plus mis quelque chose de rouge, parce qu'au final, ils lui ont donné la couleur de la fleur au pétale d'or, qui pour moi représente beaucoup plus réponse, en fait. Et dans le premier, bah, il y en là, avait plein. C'était Ursula, le roi Jean. Je suis le roi de la. Il y avait ces 6, mais on les voit. Ouais, mais ils sont là en petit. Mais ouais, enfin, le premier, c'était les plus inspirés. Peut-être à part le prince Jean, où c'était juste une couronne. Mais donc là, vous voyez Ursula, Jafar et le roi Louis. Merci Vague. Et le roi Jean, le prince Jean et Maléfique du coup qui était super sympa ici, le capitaine Crochet aussi qui était pas mal ici, pardon, et là la reine de cœur. Mais ouais, dans mes préférés vraiment, j'adore. J'aimais bien Isma, moi. Isma, elle est cool. Elle était cool. Isma, elle est vraiment cool. Mais ouais, dans cette dernière boîte, c'est vrai que c'est dommage pour les pions, parce que clairement, on s'en rend pas compte, mais les pions, c'est un truc qui coûte super cher à produire, même ouais. En petite quantité, et ça joue beaucoup, et là, c'est dommage, je trouve qu'ils ont un peu foiré sur ce dernier. Mais après, au niveau de ma préférence, au niveau de tous les personnages, je crois que le jeu, avant que... Bah, il y en a un paquet, je dirais qu'il faut y jouer à tous, de toute façon. Pour, ah ouais, bah c'est ça, et puis si jamais il y en a un qui te plaît vraiment, parce qu'il paraît, véritablement... Excuse-moi, comme ça on va ranger en même temps qu'on finit la vidéo. Il paraît véritablement que le jeu est super bien équilibré, ouais. que très souvent les personnes, que tout le monde arrive plus ou moins, même la seule fois où perso j'y ai joué avec ma sœur et des amis, j'ai trouvé que bah, on était presque sur le point de terminer tous en même temps, quoi. Donc vraiment, il faut jouer sur le côté de... Ouais, ils étaient là, je crois. On arrive, excusez-nous. C'était pas Gaston. Tiens, Gaston était à côté, voilà. Ouais. Excusez-nous, cette vidéo sera un peu longue, mais bon, on papote pas souvent, alors on en profite. Et donc, il y en a d'autres, il y en a un autre, mais c'est un Marvel, du coup. Ouais. Et lui, je crois qu'on peut pas le mélanger. Ah. Je crois qu'on ne peut pas. Hein. Du coup, je sais pas où mettre le dernier. Et bah, voilà, il va aller là, voilà, on voilà. Le voit pas, il est pas beau. Et donc, excusez-nous, on va reprendre nos places, voilà. Qu'est-ce qu'on... La magie. Donc voilà, quoi qu'il arrive, je suis toujours content qu'un nouveau Villeneuve sorte. C'est juste dommage que ce soit Syndrome en premier. Pour moi, c'est pas une boîte, du coup, très... Parce que même si... Après, si, la boîte est classe, quand même, la surbrillance, là, tu vois, voilà. Ça fait vraiment méchant. Quoi. Et le orange est joli, c'est juste qu'il sort un peu moins des autres. Il se confond avec Scar, par exemple, regardez juste l'un à côté de l'autre, là. Bah, voilà. Parce que je pense pas que Syndrome soit plus populaire que l'autre saut, hein. Que Madame Mime, c'est sûr. Mais je pense qu'ils ont voulu mettre un personnage Madame à Pixar. Madame Mime, oui, elle est oubliée, quoi. Elle ouais. Est... Oui, bah oui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, c'est toujours cool d'ouvrir un Villeneuve. Je crois qu'il n'y en a aucun autre d'annoncé, hein. Ah oui. Sinon, je vous mettrai une annotation comme je l'avais fait lors de la précédente vidéo. Voilà, gros bisous. Bisous.